Bonjour, je vous prie de vous mettre debout pour prendre le premier cantique avec des cris de joie. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Oh Dieu, tu es mon Dieu, tes lèvres je te cherche, mon âme a soif de toi. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Dans ton temple j'ai vu ta gloire et ta puissance. Je dirai ta bonté, bien meilleure que la vie. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. La nuit je pense à toi, des heures je médite, tu viens à mon secours, ta main droite me soutient. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j'élèverai mes mains, je bénirai ton nom. Veuillez prendre place. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voici le thème de notre célébration de ce jour. Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez humblement. Dieu ne veut pas que nous soyons seulement pieux ou humbles, aller à l'église et puis c'est tout. Il veut que nous pratiquions la justice et le droit. Écoutons ce que Dieu nous dit à travers le prophète Ésaïe au chapitre 1er, versets 12 à 17. Vous venez vous présenter devant moi, mais vous ai-je demandé de piétiner les cours de mon temple? Cessez de m'apporter des offrandes, c'est inutile. Cessez de m'offrir la fumée des sacrifices, j'en ai horreur. Cessez vos célébrations de nouvelle lune, de sabbat ou de fête solennelle. Je n'admets pas un culte mêlé au crime. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune. Vos cérémonies sont un fardeau pour moi. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous étendez les mains pour prier, je me bouche les yeux pour ne pas voir. Vous avez beau faire prière sur prière, je refuse d'écouter, car vos mains sont couvertes de sang. Nettoyez-vous, purifiez-vous, écartez de ma vue vos mauvaises actions, cessez de mal faire. Apprenez
à bien faire. Préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Amen. Prions le Seigneur. Père aimant et miséricordieux, élargis notre regard afin que nous puissions voir la mission que nous partageons avec tous nos frères et sœurs chrétiens, qui est de montrer la justice et la bonté de ton royaume. Aide-nous à accueillir nos prochains comme ton Fils nous a accueillis. Aide-nous à être plus généreux en témoignant de la grâce que tu nous donnes par le Christ, notre Seigneur. Amen. J'invite maintenant le modérateur pour l'accueil et la suite du culte. Bonjour à chacun et chacune qui sont présents physiquement à l'église ce matin. Un bonjour spécial à ceux qui verront ce culte enregistré sur YouTube. Bienvenue pour ce temps de culte ensemble. Culte dédié à notre Père, trois fois saint, pour l'unité des chrétiens. Nous nous retrouvons encore ce matin pour un culte où nous sommes en lien direct d'une certaine façon par le Saint-Esprit, qui nous unit en un peuple, le peuple de Dieu, en une famille soudée, la famille de Dieu dans l'unité. Chaque année, le principal temps fort écuménique demeure la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qui depuis 1908 rassemble des chrétiens de toutes confessions. Et je vous rappelle le thème de ce matin, qui sera élaboré par le pasteur. Faites la justice, aimez la miséricorde, marchez humblement. Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens unis afin d'apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres? Les prières et les rencontres du cœur au cours de cette semaine ont le pouvoir de nous transformer individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans nos futures rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler les structures sources d'oppression et à guérir les péchés du malin. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice de notre société. Nous apportons-nous tous au Christ. Soyons véritablement et sincèrement unis en Christ. Oui, pour cette unité, l'Esprit est en marche tout autour du monde. Je vous invite justement à prendre le prochain chant. Tout autour du monde, l'Esprit est en marche. Tout du monde, l'Esprit est en marche. Tout autour du monde, comme le prophète l'a annoncé, alléluia. Tout autour du monde, existe une grande révélation de la gloire de Jésus, qui en mourant nous donna la vie. Tout
au fond de mon cœur. L'Esprit est en marche, tout au fond de mon cœur, comme le prophète l'a annoncé. Alléluia, tout au fond de mon cœur, existe une grande révélation de la gloire de Jésus, qui en mourant nous donna la vie. Ici parmi nous, l'Esprit est en marche. Ici parmi nous, comme le prophète l'a annoncé, alléluia. Ici parmi nous, existe une grande révélation de la gloire de Jésus, qui en mourant nous donna la vie. Je vous invite à rester debout pour la confession des péchés. Nous sommes le peuple que Dieu a formé pour sa louange. Mais notre cœur est-il assez pur pour célébrer la sainteté du Seigneur? Confessons-lui toutes nos fautes. Prions-le de nous faire grâce pour l'amour de Jésus-Christ, l'agneau innocent qui s'est sacrifié pour nos péchés. Seigneur notre Dieu, vois nos péchés. Ils nous paralysent et nous empêchent d'aller au-devant de toi. Pardonne-nous. Seigneur notre Dieu, vois nos péchés. Il déchèche notre cœur et nous éloigne de toi, source de tout bien. Pardonne-nous. Seigneur notre Dieu, vois nos péchés. Il ferme notre bouche et nous empêche de te glorifier. Pardonne-nous. Seigneur notre Dieu, vois nos péchés. Il nous rend aveugles et nous empêche d'admirer toutes les merveilles que tu accomplis dans ce monde et dans notre vie. Dieu Tout-Puissant et compatissant, nous avons besoin d'être pardonnés et relevés. Aide-nous par l'Esprit Saint à bien écouter ta parole de grâce qui sera prononcée. Car ta parole de grâce est certaine en raison de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Recevons maintenant cette parole de grâce. Voici ce que nous dit l'Éternel. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines s'enseleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et je te consolerai comme une mère console son enfant. En Christ, l'Éternel notre Dieu se penche vers nous et nous dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Avance en paix et dans l'unité. Amen. » Nous restons debout pour un temps de louange. Nous allons écouter d'abord, pour ce temps de louange, pour débuter ce temps de louange, nous allons écouter le psaume 52. Psaume 52, comme titre, face à l'homme qui se fie à ses richesses. Toi le héros, pourquoi te vanter de ta méchanceté? C'est tout le jour que Dieu est bon. Tu combines les mauvais coups, ta langue est aussi tranchante qu'un rasoir. Tu fabriques de la calomnie. Tu préfères le mal au bien et le mensonge à la vérité. Tu aimes tout gâcher par tes paroles. Tout ce que tu dis et truqué, eh bien, Dieu te démolira pour toujours. Il t'emportera, il t'enlèvera de chez toi et t'arrachera de la terre où nous vivons. Les fidèles qui en seront témoins seront impressionnés. Regardez ce monsieur qui se fiait à sa fortune au lieu de prendre Dieu comme refuge et se sentait fort de ses mauvais coups réussis. Mais moi, je me trouve chez Dieu comme un olivier florissant. Je me fie pour toujours à la bonté de Dieu.
je te louerai sans fin pour tout ce que tu as fait. Ô Dieu, c'est sur toi que je compte en présence de tes fidèles, car tu es bon. Oui, ce psaume ce matin, écrit par le roi David, nous montre qu'il ne faut pas agir comme un homme ou une personne, méchant ou méchante, qui se fie simplement à ses richesses, mais qu'il faut faire confiance à Dieu. Oui, ce matin, nous allons dire ensemble, comme David, nous allons louer Dieu sans fin pour tout ce qu'il a fait. Disons-lui merci pour tout ce qu'il fera. C'est lui qui fortifie et qui est fidèle, devient fort grâce à l'amour de Dieu. Oui, notre richesse, c'est Dieu. Alors, disons-lui merci, give thanks. Je vous invite à prendre le prochain chant, give thanks. Ce matin, le psaume 52, faisons confiance à l'amour infini de Dieu. Dans l'assemblée des fidèles, proclamons sa grandeur, parce qu'il est vraiment bon. Oui, ce matin, je vous invite à chanter sa gloire en prenant le deuxième chant. Je viens t'offrir, Seigneur.
toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Quand la tempête s'abat sur nos vies, nous ne devons pas compter sur notre propre fortune. Nous ne devons pas penser à des mauvais plans pour faire le mal. Quand la tempête s'abat dans nos vies, Dieu seul reste notre refuge. Recherchons sa protection en agissant avec justice et bonté. Comptons ses bienfaits dans nos vies pour continuer à suivre Jésus humblement et dans l'unité. Nous prenons le dernier chant de ce temps de louange contre les bienfaits de Dieu. Tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en chante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu.
sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Merci, veuillez prendre place pour la suite de ce culte. Prions. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence aujourd'hui. Fais-taire en nous toute voix contraire à la tienne et renouvelle en nous un esprit bien disposé à l'écoute de ta parole et du message que tu veux toi-même nous donner. Nous te remettons le pasteur France qui va nous livrer le message afin qu'il soit guidé par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus. Amen. La première lecture se trouve dans Michée, chapitre 6, les versets 6 à 8. Le Seigneur accuse son peuple. Écoutez ce que le Seigneur me dit. Va faire un procès pour me défendre. Présente mon point de vue devant les montagnes et devant les collines. Verset 6. Donc, ce que le Seigneur attend de son peuple. Qu'est-ce que je dois offrir quand je me mets en genoux devant le Seigneur? Le Dieu Très-Haut. Est-ce que je dois lui offrir des jeunes taureaux et les brûler entièrement en sacrifice? Est-ce que le Seigneur veut des milliers de béliers, des milliers et des milliers de torrents d'huile? Est-ce que je dois offrir mon fils aîné pour qu'il pardonne mes fautes et mes infidélités? Le Seigneur te fait savoir qui est bien, ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer, agir avec bonté. Amen. L'évangile de ce matin se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 17 à 31. Donc, je vais vous lire l'évangile en version créole. Andy Munris. Les temps hésitent, type est sorti, poil. Pour aller, Endimoun galoupé vini, tourne dans ce du pied, et dit Manli. Maître, toi qui bon, qui m'a besoin faire pour gagner la vie éternelle en héritage? Léla, Zézi répondit. Qui fait te dire moi bon? Personne pas bon. Dis bon Dieu, tu sais qui bon. Te connes ban commandement. Pas tout Endimoun, pas vivre dans la terre, pas coquin. Pas faire fausse témoignage, pas faire dit autre procès. Honore ton papa et ton maman. Didier Zézi. Maître, depuis Mozen, me vive d'après la loi. Zézi guette-li bien, li fin bien apprécié-li. Alors, li répond-li. Te manque un seul qui t'seuse. Allez, vende tout te dit bien. Donne du monde misère. Léla te pour gagne un grand trésor dans les cieux. Après ça, vini, suive-moi. Dimoun la se figure sans e, l'étant litane sa parole là. Y aller les cœurs lourds, parce qu'il y tiena beaucoup de bien. Zézi viré, guette partout. Après ça, l'idée se bande disciple. Bien difficile pour tout Dimoun qui est un grand de bien. Pour rendre dans le royaume bondier. Ben disciple tient un peu choqué avec ce parole. Zézi continue, causer, lui dire. Ben enfants, il est bien difficile pour Dimoun Ris rendre dans le royaume bondier. Il est plus facile pour un samou passe par un trou, un aiguille, qui pour un ressort rendre dans le royaume bondier. C'est encore plus choqué. Sa ken peut dire à ce camarade, « Bé alors,
qui s'en a pour ici sauver? Zézi gè zout franc dans zout lisier, li di a zout. Pou di moun, li impossible, mais pas pour bon Dieu. Parce que pour bon Dieu, tout quelque chose possible. Pierre commence à dire, Benou, nous finons qui tout nous poursuivre toi. Zézi répond, la vérité, bopé di a zout. Personne pas pour quitte sur la case, ce frère, ce sœur, ce maman, ce papa, ce enfant sur la terre, à cause moi, et bonne nouvelle, sans qu'il y gagne, asté à la même, 100 fois plus. La case, frère et sœur, maman et enfant, la terre avec ses persécutions et la vie éternelle dans l'autre monde. C'est qui premier pour vin dernier, c'est qui dernier pour vin premier. Amen. Nous pour cause un petit peu ce matin ou ce soir, aux autres qui peuvent suivre nous sur YouTube, de la justice, justice sociale, faire le bien, peu importe comment nous avons envie d'y aller, mais bon Dieu peut attendre de nous qui nous pratique la justice et qui nous défend ban faible. Miché, dans ce livre, il pose une question, qui m'a besoin donne bon Dieu? Est-ce qu'il y a des milliers de béliers, des milliers de flacons d'huile? Et lui-même pose la question, est-ce qu'il m'a besoin donne mes propres enfants aînés en sacrifice? Pour Michel, tout ça là, pas pour servir dans rien. Tout ça là, pas pour servir dans rien. Mais, bon Dieu, acceptez-nous. Quand nous aide Banji Moon qui dans le besoin, quand nous fait du bien Banji Moon qui bien besoin l'aide, nous trouvons ça même l'idée là aussi dans livre Ésaïe, le texte qui nous lit. Et ça, ban parole là assez dure. Quand Ésaïe dit, bon Dieu peut dire, moi pas prendre autre compte quand je peux faire autre culte, je peux bon lire, je la main. Quand je fais la prière, je me modifie pour ne pas trouver, etc. C'est dur. C'est dur. Là encore, il dit, plutôt, fais la justice couler. Guette-moi pour lire un autre petit passage qui trouve dans Amos chapitre 5, à partir du verset 21. Écoute bien sa bonne parole là. Je déteste vos pèlerinages. Ils ne sont rien pour moi. Je ne peux plus supporter vos rassemblements. Les animaux complètement brûlés et les produits de la terre que vous m'offrez, ils ne me plaisent pas. Vos sacrifices de bêtes grasses, je ne les regarde même pas. Arrêtez de crier vos cantiques à mes oreilles. Je ne veux plus entendre la musique de vos harpes. Mais faites jaillir le droit comme une source. Laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante. Amen. Allah, c'est qui, bon Dieu, attend de nous. Dans l'époque Ésaïe ou Miché ou Amos, même dans nous l'époque, peut-être nous quoi qui faire certaines petites choses pour bon Dieu, marche avec l'humilité, vine l'église, et cela suffit. Non, et n'a plus que ça. Get le texte qui nous lit dans Marc. Les causes de un homme riche, qui vient get Jésus et lui pose une question. Maître, qui m'a besoin faire pour gagner la vie éternelle? Jésus dit à lui, mais tu connais la loi qui n'écrit. Tu n'as pas besoin de tout y aller. Enfin, Jésus récite-lui la loi qui nous trouvait hein, dans les commandements qui bon Dieu nous donne Moïse. Exode chapitre 20. Et l'homme riche qui dit à Jésus,
Mais maître, mon fait tout ça là depuis Mozen. Ça veut dire, lui penser, vu qu'il peut faire tout ça là, lui, ok. Ok, mais mon cas vive alors. Si ce n'est que ça. Jésus dit à lui, il y a une seule petite chose manquée. Vend ce qui tu es là. Porte à ce que tu dis bien aux pauvres. Les là, vive. Mais l'homme riche t'y allait figure triste parce qu'il t'y en a beaucoup, beaucoup dit bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas juste assez qui nous respecte dans le commandement. Il n'y a pas juste assez qui nous vive, nous t'y la vie chrétienne dans nos coins, qui bon Dieu fin mettre nous, à nous l'église dimanche, participer, etc. Et puis nous dire, c'est bon pour moi. Assez correct là. Bon Dieu Péatane qui nous implique nous dans la justice sociale. Qui était ça? Quand nous trouvons dominés, nous bisons lève la voix. Quand nous trouvons l'injustice dans nos sociétés, nous bisons dénoncer. Quand nous trouvons du monde misère maltraité. Quand nous trouvons travailler et maltraiter, nous bisons dénoncer, nous bisons crier l'injustice. Nous bisons aider les gens pauvres, les gens sans voix. Nous bisons aider, comme la Bible dit, la veuve et l'orphelin. C'est nous devoir ça. Personne n'est pas capable de dire, mais pas moi qui suis supposé faire ça, les autres peuvent faire. Non. Je te connais, mes amis, être riche, ce n'est pas un péché. Être riche de temps, le temps qui nous est à nous riche, ce n'est pas un péché de posséder quelque chose. Mais comment te servir ce qui bon Dieu il donne toi? C'est ça qui est important pour bon Dieu. Comment te servir ce dit bien? Comment te servir ce qui te possède? C'est ça qui est important. Un jour, tu as un bien riche, un autre jour, tu as un socialiste. Tu as un cause avec lui, tu as dit comme ça, mais tu commences à accuser lui à cause de riche, à cause de sa richesse. Il dit comme ça, il n'est pas bon. Qui te garde sa quantité de bien là? Alors que les autres jour, pauvres, Pémo de faim. L'homme riche a dit, ok, mon quoi, c'est qu'il te peut dire. Alors, il fait à son secrétaire vini, fait l'invention de tout ce dit bien. Il y a un chiffre. Astéa, il dit, combien de monde est dans la terre? Combien de milliards? Il divise chiffre ce dit bien. Or, quand c'est du monde qui est dans la terre. Et puis, il dit à son secrétaire, donne ça du monde là, c'est sainte. Donne-lui ses sous. Parce que quand il divise ce dit bien, ça du monde de la terre, tu peux gagner ses sous. Li pas un péché d'être riche. Mais qui te fait avec ce qui bon Dieu donne toi? Quand tu mors, c'est aussi, mais tu as du monde dans le besoin. Est-ce qu'il te passe un côté? Est-ce qu'il te ferme ton lisier? Quand tu mors, c'est aussi, mais tu trouves une madame qui a un bâté. Du monde peut arracher ce sac. Est-ce qu'il te peut débouter comme un spectateur? Je dis, nous ne pouvons pas intervenir contre l'injustice. Mais bon Dieu dit comme ça, fais le bien. Bon Dieu dit, laisse la justice couler comme une rivière. Et là, bien sûr, ben prophète, tu peux acquise ben du monde qui t'y et la responsabilité politique, sociale, même religieuse. Les types acquises, manziz, qui prend bribe, qui prend gousse, qui dévie la justice. Je dis, dans le monde entier, il n'y a pas une surprise quand nous tous, les coupables peuvent sortir libres, peut morcer et qu'on nous trouve celui qui n'est pas coupable, peut rentrer dans la prison, peut payer pour les gens qui sont coupables. L'injustice
fin envahi nous société. Même dans Maurice, nous bizan papé pour dire, et n'a beaucoup l'injustice. Et n'a beaucoup de choses qui passaient autour de nous. Et dit moun préfère rester tranquille parce qu'ils ont peur. La paix a fini envahi nous. Mais nous pas un bon un chrétien à 100% si nous pas faire nos devoirs pour lutter contre l'injustice. Et ce qui c'est ce que la parole bon Dieu dit à nous. Nous avons aussi la miséricorde. Vive avec miséricorde. Un peu comme on dit, nous peut dire nous besoin de pitié pour les autres. Parce que il y a des gens qui mal agir dans la vie contre nous, contre la société qui nous peut faire. Un jour, une madame qui vient avec Napoléon, il dit comme ça avec Napoléon, donne-moi garçon la grâce. Napoléon dit à lui, ton garçon, il fait ce qui n'est pas bon. Et d'après la justice, il mérite la mort. Madame l'a dit, ce n'est pas la justice qui vient nous rôder. Mon vient nous rôder la miséricorde. Mon vient nous rôder pitié. Et Napoléon finalement fin écoute lui et lui dit dans ce cas moi accorde lui mon pitié et lui fin libérer lui. Nous dans nous l'église nous donne ministère avec man pauvre man sans abri qui vini nous appelle saint pain de poisson. Beaucoup du monde dans Maurice connu sa ministère là c'était mais ça man du monde qui nous aider là. C'est man di moun qui nous fait errer dans toute la vie. C'est man di moun qui nous tombe dans la drogue. C'est man di moun qui nous tombe dans bonnes affaires qui pas bon. C'est man di moun qui trique notre famille. C'est man di moun qui fait notre maman, notre papa pleurer. Mais si nous get ça comme ça, nous pour dire bébé, personne pas mérité gagner ça. Pas vrai? Non. Nous pas connaît. Nous pas capable d'iser. Bon Dieu dit à nous. Fais la miséricorde. Alors, tout le monde qui vient, vous êtes bienvenue. Les ouverts pour tout le monde, peu importe ce qu'ils ont fait. Bon Dieu, dans sa bonté, il n'y a pas de personne de haut. La miséricorde. Marchez humblement. Marchez humblement. Veut dire, vous êtes tout l'orgueil qui nous est là. Acceptez que nous aussi, nous avons la grâce de Dieu. Pas juste. Ce qui peut faire du mal les autres, pas juste ce qui peut faire souffrir ce man travailler, pas juste ce qui peut pratiquer l'injustice. Si nous guettons lui comme ça, nous pour prendre nous pour parfait. Nous aussi, nous besoin la miséricorde de Dieu. Et nous aussi, nous besoin marche avec l'humilité. Marche avec l'humilité, c'est accepter nos faiblesses, accepter perdre parfois. Et laisse bon Dieu soit le juge. Alors, ce qui m'a dit, on commençait par dire, bon Dieu peut compter nous pour aider les pauvres, pour aider les gens sans voix, pour aider les gens qui peuvent écraser. Si nous ne sommes pas capables d'aider parce qu'ils nous faibles, parce qu'ils nous peinent assez moyens, causer, dénoncer, dire, il y a une quantité de choses qui passaient autour de nous. Et nous préférons fermer les yeux. Nous dire, nous ne pouvons pas le mêler nous là-dedans. Mais nous sommes tous parce que bon Dieu pour acquise nous à travers ce prophète. Un passage qui nous fait lire, déjà fin acquise nous. Nous bizin. Et la miséricorde, pitié. Même un djimoun fin fait nous du mal, puis incapable de pardonner, vivre avec lui. Un djimoun qui parle lui-même, lui fin choisir, un la vie qui fait lui du tout, qui fait lui souffrir,
pas besoin de critique, pas de zizli. Si nous sommes capables de un coup de main pour tirer, pour relever, mettre des bouts de l'eau sur les pieds, faire. C'est ça qui bon Dieu peut attendre de nous. Et mors avec l'humilité. Parce que personne n'est pas parfait, l'eau la terre. Laisse-nous aller pour nous faire ça, frères et sœurs. Léa, qui nous prenne vrai ambassadeur du Christ. Léa, qui nous prenne vrai disciple de Jésus. Léa, qui nous prenne vrai chrétien. Pas contente-nous en nous confort. Pas contente-nous en nous petit bout de quelque chose qui nous fait pour nous l'Église, pour bon Dieu. Bon Dieu, demande-nous intervenir pour la justice sociale, pour la justice dans nos pays. Chacun de nous est dans sa responsabilité là. Et chacun de nous, écoute ça bien, bon Dieu, paie compte l'ONU. Amen. Moi, j'invite les autres pour prendre chant. Nous laissons nous mettre debout. Nous poussons tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire à Dieu, Créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous allons passer à la collecte. Tout d'abord, écoutons ce qui nous est dit dans la Bible, dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 38. Donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Amen.
je vais demander à Douglas et à Elodie de bien passer, vouloir passer le panier. La première sera pour les dépenses courantes et deuxième pour la mission. Donnez d'un cœur joyeux. Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande et apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Nous te le présentons de tout notre cœur. Que ton Fils nous pardonne et nous accueille. Veille te servir toi-même de ces dons. Donc pour la joie de ton Église et le salut de tous, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Il y a quelques annonces. Comme ce dimanche, on parle de semaine de l'unité des chrétiens, avec le thème « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice ». La semaine de prière pour l'unité des chrétiens sera marquée du 16 au 21 janvier prochain. Le comité de travail œcuménique vous invite à suivre en ligne les différentes célébrations de cette semaine de prière. Les célébrations seront diffusées sur les liens à 20 heures. Donc, il y a l'affiche, vous pouvez prendre connaissance des liens sur Facebook et YouTube. Nous vous invitons à garder célébration et l'unité dans nos églises en prière cette semaine. La semaine de l'unité chrétienne, avec les diffusions, le lundi 16 sera l'église catholique. Mardi 17, l'église anglicane. Le mercredi 18, église presbytérienne. Jeudi 19, église protestante évangélique.
vendredi 20, Église des Assemblées de Dieu, samedi 21, en présentiel au Plaza Rosil à 10h. Ça aussi, vous aurez les détails sur l'affiche pour l'inscription et comment va passer la journée. Il y a une offre d'emploi au DM. L'association DM, qui est l'un des partenaires de l'EPM, recherche un ou une coordinateur ou coordinatrice du pôle administratif à 70%. La mission de la personne sera de diriger le pôle administration du secrétariat et être membre de la coordination générale du DM. Coordonner la mise en œuvre et le suivi des stratégies administratives et financières. Coordonner la mise en œuvre et le suivi des ressources humaines. Superviser et gérer l'outil informatique et les archives. Le profil recherché est formation universitaire ou jugée équivalente spécifique, au moins un domaine pertinent. Expérience significative dans au moins un domaine pertinent. Pratique des contacts interculturels, sens de l'initiative et créativité, aptitude au travail en équipe, flexibilité, intérêt pour la mission de l'Église et la solidarité internationale. Excellente maîtrise des outils informatiques, très bonne connaissance du français, la maîtrise de l'anglais et de l'allemand est un atout. Le DM offre un travail varié dans une petite équipe multidisciplinaire, un engagement lié à des valeurs morales et ethniques, des conditions de travail et des prestations adaptées au poste. Et le lieu pour ce travail se trouve à Lausanne. Les entretiens auront lieu, dès le 30 janvier 2023. Entrée en fonction sera le 1er juin 2023 ou à convenir. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, parce qu'il y a beaucoup de détails, veuillez contacter le secrétariat. Concernant la paroisse ici, merci pour l'équipe Pierre qui est là pour la mission Saint-Pain-de-Poisson et samedi prochain sera l'équipe Winning Team. Merci aussi pour ceux et celles qui font l'accueil ce matin. Dimanche prochain sera Annabelle et Douglas. La collecte de dimanche dernier, la collecte normale, 1503 roupies et pour la mission, 1511 roupies 5 sous. C'est tout ce que j'ai comme annonce. Bonne et sainte semaine à vous tous. Merci. Intercédons auprès du Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour toutes tes bénédictions que tu nous donnes jour après jour. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, mort pour nos péchés. Comme tu nous as aimés, apprends-nous à aimer notre prochain. Nous te remettons les personnes qui se sentent seules, les malades, les affligés et toutes les personnes victimes d'injustice. Ouvre nos yeux, Seigneur, à ta bonté. En ce jour d'unité chrétienne, apprends-nous à marcher humblement devant toi, Seigneur. Apprends-nous à aimer les uns les autres et à nous mettre au service des plus faibles.
nous te remettons toutes les églises du monde. Nous te remettons aussi les dirigeants, les pasteurs, les prêtres, les diacres et tous ceux qui sont à ton service. Couvre-le de ton Esprit Saint et que ta paix nous soit donnée au nom de Jésus-Christ, le bon berger. Amen. Je vous invite à prendre le cantique « Le Seigneur nous a aimés ». Et pendant ce temps, j'invite les anciens désignés à s'approcher de la table. Nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le Dieu la peur de chaque jour. Nous allons nous recueillir pour la Sainte Cène. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste bon de te rendre grâce toujours et partout, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, tu as créé toutes choses et tu nous as façonnés à ta propre image. Par lui, tu nous as rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi et tu as fait de nous ton peuple. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et la grande nuée des témoins, nous exaltons ton saint nom et nous disons ta gloire. Saint, saint, saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Père Saint, tu as tellement aimé le monde que, lorsque le temps fut accompli, tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Lui, ta parole éternelle,
Il est né d'une fille des hommes. Il a été fait semblable à nous en toutes choses, excepté le péché. Il a annoncé aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Il est allé jusqu'au bout de ton amour, et c'est pour cela, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là. C'est pourquoi, Père, en prenant ce pain et cette coupe, nous en rappelons la mort de ton Fils, nous proclamons sa résurrection dans l'attente de son retour, et nous te rendons grâce pour le sacrifice qu'il a offert pour nous. Envoie maintenant ton Saint-Esprit, afin que dans ces aliments terrestres, nous ayons communion au corps et au sang de notre Seigneur. Que ton Esprit, Seigneur, fasse de nos vies une offrande vivante à ton service, et de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, où tout homme puisse trouver son espérance. Qu'il nous garde unis dans la foi et dans l'amour en un seul corps, jusqu'au jour où, avec tous ceux qui nous ont précédés auprès de toi, nous serons rassemblés dans la joie de ton royaume. Amen. Le pain que nous rompons et communions au corps de Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communions au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, venez, car tout est prêt.
et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, son amour était si grand qu'il mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort et sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour la force et la joie de cette communion au corps et au sang du Christ, pour sa présence en nous et avec nous chaque jour. Envoie-nous dans le monde avec la puissance de ton esprit pour vivre et pour travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. Nous allons nous mettre debout pour la bénédiction, après quoi nous chanterons « Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux !» Poursuivez donc votre route dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi et débordant de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Le chant pieux et la prière, comme un encens monte aux cieux. Le chant pieux. Aussi le cœur en assurance.
offre leur adoration. Aussi le cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime tous les rachetés par tout leur âme. Sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table, écoutant les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable nous unissant, toi pour jamais. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À la prochaine fois.